sua pieso nasama kolonde te kuluka yo nzamba biyano Atali vos
te dit lorsque vous reverrez le fils de l'homme, c'est un homme qu'on ne sait qui il est. Attends, quand tu as pris son amour pour la vie, attends, quand tu as pris son amour pour la vie. Merci Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu, les enfants de la guerre, que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez bien-aimés. Je dis bon anniversaire à ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire. Et je présente mes condoléances à tous ceux qui sont en train de pleurer. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez, mes chers amis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, éparpillés partout dans les cinq continents. Que Dieu vous bénisse bel et bien la voix de votre serviteur, votre frère, le pasteur Nico Batika, les guerriers. Alors, bien-aimés, je vous recommande déjà de pouvoir faire le travail de votre Père. Le travail du Père consiste à partager dans des groupes Facebook, à taguer les amis, à taguer les frères et sœurs, à les inviter, bien-aimés, de venir nous rejoindre. Vous pouvez partager, bien-aimés, sur les groupes Facebook, comme chez WhatsApp ou Messenger. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas prendre votre téléphone, bien-aimé, et connecter un ami ou un frère. Il y a d'autres qui ont des complications pour suivre, bien-aimé. Vous pouvez les connecter directement sur votre téléphone. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous disons bravo, 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 Jésus-Christ. Nous disons bravo, 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 Jésus-Christ. Acclame, acclame, donne-lui, bien-aimé, une grande offrande d'acclamation. Lui qui t'a gardé, qui m'a gardé, bien-aimé, jusqu'à ce jour. Beaucoup voudront bien être à notre place, mais ils n'ont pas bénéficié de la grâce, bien-aimé. Mais toi et moi, nous sommes là par la grâce de notre Dieu. Alors, bien-aimé, acclamons ce Dieu-là qui nous a donné la vie, qui continue à nous protéger, à nous préserver, bien-aimé. Oh, bien-aimé, lève ta voix, élève ta voix. Non, mets des cœurs, mets des likes, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes, beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Plus que tu mets des cœurs, plus que tu mets des likes, plus que tu partages, plus que Dieu te bénit. Ah, voilà, bien-aimé. Bravo, 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 Jésus-Christ. Faites le travail du Père, faites le travail du Père. Partagez, 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 partagez. Partagez, bien-aimé, dans des groupes Facebook, une large diffusion, bien-aimé, de cette mission qui bénit beaucoup, qui nous ouvre vraiment les yeux. Que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse l'évangéliste Tétin Sibou. Que Dieu le bénisse, bien-aimé, par sa grâce. Que Dieu bénisse Maman Lydie Manuel. Que Dieu bénisse Molongina et Tumba. Que Dieu bénisse, bien-aimé, vous tous qui êtes en train de faire le travail du Père. Voilà, 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 voilà. Merci. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur, afin que nous puissions nous asseoir sur ta table. Quel privilège, Père. Je sais qu'aujourd'hui, nous mangerons encore une très bonne nourriture qui nous fera du bien. Sois élevé, Papa, tout cela pour ta gloire. Je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ.
Comme tout roi règne au milieu de son peuple, Seigneur règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la délivrance des malédictions. Nous sommes en train de parler de la délivrance des malédictions. Bien-aimés, la délivrance des malédictions, le mot malédiction au pluriel. La délivrance des malédictions. Oui, bien-aimés, Dieu dit, mon peuple souffre parce qu'il manque la connaissance. Il dit, mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse ma fille Aurélie Tanga, là où tu te trouves, que Dieu te bénisse. Je salue bien-aimés tous ceux qui sont en vacances, mais ils prennent quand même le temps de pouvoir bien-aimés s'instruire. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que vos vacances se passent très bien. Le Dieu de voyage, qu'il soit avec vous, qu'il vous protège bien-aimé, qu'il éloigne tout danger loin de vous, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la délivrance des malédictions. C'est un séminaire bien-aimé de 15 jours avec jeûne et prière. Pourquoi jeûne et prière? Puisque le Seigneur a dit, il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc bien-aimé, quand nous parlons de la délivrance des malédictions, il y a des malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Là, personne n'a le droit de l'ôter. Personne n'a le pouvoir d'enlever ces malédictions. Mais par contre, il y a des malédictions qui viennent de Satan. Là, bien-aimé, nous pouvons prier et jeûner afin d'ôter ces malédictions-là. Donc c'est clair, quand la malédiction vient de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas ôter cette malédiction si ce n'est Dieu lui-même. Là, l'homme n'a qu'une seule arme. L'arme que les chrétiens doivent utiliser, s'il est sous une malédiction divine, c'est l'arme bien-aimée qui est la prière. C'est l'arme que nous appelons la prière. Donc, nous n'avons qu'à prier afin que Dieu puisse ôter cette malédiction. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière de repentance. C'est là où nous disons que la repentance est la clé de la délivrance. Si Dieu lui-même n'ôte pas cette malédiction, bien-aimé, la malédiction va demeurer dans ta vie, toute ta vie, bien-aimé, tu souffriras. C'est pour ça que beaucoup de gens prient, mais bien-aimé, ils n'obtiennent pas de résultats. Pourquoi? Puisqu'ils prient à l'aveuglette. Ils prient, bien-aimé, sans connaître l'origine de leurs problèmes. Ils prient, ils chassent les démons, ils envoient le feu. Mais bien-aimé, or, les problèmes, ce n'est pas le feu, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Le problème, c'est Dieu lui-même. Tu es sous la malédiction. Nous avons donné l'exemple, bien-aimé. Par exemple, dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 9, Dieu dit, vous me trompez. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez par des dîmes et des offrandes. Il dit, vous êtes maudits. Donc là, c'est Dieu lui-même qui maudit. Nous avons lu les textes, par exemple, dans Exode 21. Là où Dieu dit, Exode 21, je pense que verset 15 et verset 17. Que toute personne qui maudit son père ou sa mère est déjà sous la malédiction. Donc cette malédiction-là, ça vient de Dieu. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais bien-aimé, ton problème, ce n'est pas les démons. Ton problème, c'est Dieu lui-même. Donc tu es sous la malédiction divine. La malédiction venant de Dieu lui-même. Donc cette situation-là, tu n'as qu'à faire la repentance. Bien-aimé, la malédiction divine, souvent, ça vient dans notre vie. Souvent, ça vient dans nos vies. Quand l'homme transgresse la parole de Dieu, quelqu'un peut écrire, tu peux écrire, bien-aimé, la malédiction divine arrive dans nos vies quand nous transgressions la loi de Dieu. Quand tu transgresses la loi de Dieu, sache que automatiquement, bien-aimé, il y a la malédiction qui est comme une punition, la malédiction divine. Quand nous disons malédiction divine, c'est une malédiction qui vient directement de Dieu lui-même. Voilà. Donc, tous les 10 commandements, y compris tout est la parole de Dieu. Quand tu les transgresses, bien-aimé, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimé. Nous devons respecter la parole, puisque, bien-aimé, cette parole-là, c'est celle qui bénit, c'est elle qui maudit. Donc tu dois faire très très attention, bien-aimé, à la manière dont tu es en train de vivre.
L'apôtre Paul dit, nous sommes tous en train de bâtir, mais que chacun de nous prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Donc là, aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais progresser encore dans la malédiction individuelle. Donc, deuxième volume, malédiction individuelle, que nous avons déjà commencé, bien-aimé, la malédiction individuelle. Écrivez-moi sous thème malédiction individuelle. La malédiction individuelle. Je salue tous nos bien-aimés qui viennent, bien-aimés, pour la première fois, nous rejoindre, bien-aimés, dans cette chaîne, cette page d'enseignement, cette page de révélation. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. La malédiction individuelle. Écris-moi sous thème la malédiction individuelle. C'est notre sous-thème, la malédiction individuelle. Bien-aimé, la prière, la bonne prière, c'est une prière, bien-aimé, qui est orientée par la révélation de Dieu. Une bonne prière, c'est une prière orientée par la révélation divine. C'est pour ça que tu ne peux pas prier seulement comme ça, sans révélation. D'ailleurs, même Dieu dit, mon peuple souffre parce qu'il manque la révélation. Il y a bien aimé des gens qui sont sous la malédiction divine, mais eux, ils chassent les démons. Or, les démons ne sont pas là. Les sorciers même ne sont pas là. Mais comme bien aimé, c'est devenu une habitude dans des églises. Chaque dimanche, il faut envoyer le feu. Chaque réunion, il faut envoyer le feu. Il faut bien aimé prendre l'épée. Mais nous faisons très bien aimé des erreurs. C'est pour cela que nous pouvons rester des années et des années dans l'église en chassant les démons, mais nos vies ne changent pas. Tu peux rester des années et des années dans l'église, bien-aimé. Tu chasses les démons, tu chasses les démons, tu chasses les démons, mais bien-aimé, tu ne remportes jamais la victoire. Les démons sont toujours là. Pourquoi? Puisque tu combats, bien-aimé, à l'aveuglette. Alors l'apôtre Paul nous dira que non, moi je ne combats pas comme un aveugle. Donc, il cherche la révélation. Or, la révélation se trouve, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous oriente, bien-aimé. La parole de Dieu nous oriente. La parole de Dieu nous oriente. Comme, bien-aimé, cet enseignement sur la malédiction individuelle qui vient de Dieu. Bien-aimé, là, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Puisque c'est une histoire qui vient de Dieu lui-même. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, quand nous parlons des malédictions, la première personne à prononcer les mots malédiction dans la Bible, c'est Dieu lui-même. La première personne, bien-aimée, à prononcer les mots malédiction dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc, bien-aimé, Dieu, il a maudit Adam, il a maudit Ève. Vous le savez, bien-aimé, c'était au commencement. Donc, c'est Dieu lui-même qui a ramené les mots, les concepts hein, malédiction, bien-aimé, dans la Bible. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimé, quand nous parlons des malédictions. Satan, lui, il n'est qu'un copieur. Il n'est qu'un imitateur. Il imite Dieu. Dans tout ce que Dieu fait, lui, il l'imite. Mais les concepteurs de malédiction, c'est Dieu. Pourquoi Dieu bien-aimé a conçu ces concepts-là? Donc, nous pouvons dire par rapport à Dieu, la malédiction, c'est une punition que Dieu afflige à l'homme quand l'homme transgresse sa parole. La malédiction, c'est une punition que Dieu inflige à l'homme quand l'homme transgresse la parole de Dieu. J'ai dit, la malédiction, c'est une punition de Dieu à l'homme quand ce dernier transgresse la parole de Dieu. Voilà, bien aimé. Alors, le diable aussi en profite. Lui aussi, il amène ses malédictions dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez fait vraiment le travail de notre papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.
tous ceux qui ont partagé, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu ouvre le ciel pour vous, que ce qui manque dans vos vies puisse être compté, que Dieu vous élève et que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Toi qui as partagé, toi qui as fait le travail du Père, que le Père te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le, bien-aimé, fais-le. Partage, 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 bien-aimé. Partage, partage, partage. Ça fera du bien à notre Père. Ça fera du bien à notre Dieu. Ça fera du bien, bien-aimé, à nous aussi. Que Dieu vous bénisse, les Samaritains, les Samaritaines, les enfants de Dieu, ceux qui s'occupent de l'œuvre du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé, Jésus lui-même a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, bien-aimé, nous allons rentrer dans notre verset de Zacharie. Nous allons rentrer dans Zacharie. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimé. Nous allons ouvrir le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 5, verset 2 au verset 4. Zacharie chapitre 5, verset 2 au verset 4. Zacharie chapitre 5, verset 2 au verset 4. Si quelqu'un peut me l'écrire. Zacharie chapitre 5, verset 2 au verset 4. S'il vous plaît, écrivez, écrivez, écrivez. Merci, Maman Fatou, l'étoile d'État. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons entrer dans la révélation. La malédiction individuelle. Je dis bien, bien-aimé, la malédiction individuelle, c'est une malédiction qui ne concerne qu'un individu. Ce n'est pas une malédiction familiale. Tu peux être dans une famille où tout le monde est béni, mais sauf toi. Tu peux avoir des frères et sœurs qui ont beaucoup d'argent, mais toi, tu souffres. Tu peux être dans une famille où tout le monde est marié, mais sauf toi. Bien-aimé, tu fais la différence des restes. Pourquoi? À cause d'une malédiction individuelle. Et la malédiction individuelle, bien-aimé, on les reçoit dans nos parcours. Cela dépend de la manière dont tu as dirigé ta vie. Cela dépend de la manière dont tu as marché. Alors, on va lire Zacharie chapitre 5, verset 2 au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me dit, déjà sachez, bien-aimé, là, c'est une conversation entre Dieu et Zacharie. Le sacrificateur Zacharie, le prophète Zacharie, a parlé avec Dieu. Écoutez, bien-aimé, leur conversation. Là, c'est Zacharie qui a commencé. Il me dit, il est là, c'est Dieu. Que vois-tu? Donc Dieu demande à Zacharie, Zacharie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, donc Zacharie répond à Dieu, je vois un rouleau qui vole. Je vois un rouleau. Sachez déjà, bien-aimé, que dans les temps anciens, la Bible n'était pas encore écrite. À l'époque, bien-aimé, il y avait les rouleaux, les rouleaux. La parole de Dieu était consignée dans des rouleaux. Donc la Bible n'existait pas. Zacharie dit que moi je vois un rouleau. Donc il voyait la parole de Dieu qui volait, qui était en l'air, qui était entre ciel et terre. Et il dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Donc les rouleaux là comportent la malédiction. Et ça se répand, ça observe le monde, ça observe tous les pays. Car selon elle, tout voleur, donc selon les rouleaux, tout voleur sera châtié, et selon elle, tout parjure sera chassé. Bien-aimé, les rouleaux là qui est la parole de Dieu. Or, nous avons dit, bien-aimé, que la malédiction a comme principe de cause à effet. Puisque la Bible nous dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, la malédiction aura de l'effet. Je vous donne un exemple, bien-aimé. Nous voyons beaucoup de gens
qui ont pris la parole de Dieu comme un slogan. Combien de gens disent, sans effet, sans effet. L'oncle dit, toi, tu vas voir. Ah, sans effet. La maman dit, toi, tu ne vas pas rester. Ah, sans effet, sans effet. Mais bien aimé, si les sans effet étaient réels, mais pourquoi tu n'enfantes pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne vois pas clair dans ta vie? Donc cela veut dire, cette malédiction-là a eu de l'effet dans ta vie. Cette malédiction-là qu'on a déclarée sur toi, puisque la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand on te maudit, bien aimé, si c'est une malédiction infondée, s'il n'y a pas de cause, ça sera sans effet. Mais s'il y a une cause, il y aura de l'effet. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je suis en train d'expliquer, bien aimé. Les sans effets que nous déclarons là, la plupart des temps, c'est devenu comme des slogans. Bien aimé, quand tu es dans le mal, même un sorcier s'il te maudit, je te dis, ça va t'atteindre. Puisque la malédiction, bien aimé, a comme principe de cause à effet. Tu prends le mari d'autrui, tu voles le mari d'autrui, et la femme là commence à te maudire. Bien aimé, il y aura des effets, je te rassure ma soeur, je te rassure mon frère, il y aura des effets. Un enfant qui manque de respect à son père ou à sa mère, qui frappe son père le maudit, ah, sans effet, sans effet. Non, ce n'est pas un slogan bien aimé. La malédiction bien aimée a comme principe de cause à effet. S'il y a une cause, il y aura de l'effet. Que personne ne vous mente, bien-aimé. Que personne ne vous mente. Tu es diacre, tu es diaconesse. Tu voles l'argent de l'église. Bien-aimé, on te maudit. Je t'ai dit, écoutez-moi, mes bien-aimés. J'ai grandi dans une église où on avait comme principe la livraison à Satan. Moi, j'ai vu, bien-aimé, comment les vies des personnes qui étaient bien. Mais leur vie a basculé du jour au lendemain. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on l'a livré à Satan. On l'a livré à Satan. Livré à Satan, c'est une malédiction. Bien-aimé, en lignal, on dit, bah, kange liye ma bonne deli. Et quand on fait cela, même quand il y a sans effet, ce qu'ils ont fait là, c'est sans effet. Bien-aimé, tu vas voir. Moi, j'ai vu des gens. J'ai vu un monsieur qui priait avec nous, qui était directeur à la SONAS. Directeur des assurances, bien-aimé. Ce monsieur, après la livraison, ça n'a pas pris 2 mois. Il était licencié de son travail. Comme il était licencié de son travail, bien-aimé, je vous assure, je vis de mes yeux. Ce monsieur a vendu sa maison puisqu'il ne pouvait plus vivre. Il est allé louer. Bien-aimé, quand il est allé louer, tout l'argent qu'il avait vendu la maison, l'argent est fini. Bien-aimé, on l'a chassé de la maison. La femme ne pouvait plus supporter. La femme est partie. Et les enfants commençaient à tomber malades un par un. Il n'y avait pas l'argent pour les soigner. Les enfants mouraient. Et après lui-même, le monsieur est devenu malade, est tombé malade. Le monsieur est mort, bien-aimé, rien que à cause de la livraison à Satan. C'est pour cela, personnellement, bien-aimé, j'évite souvent de livrer les enfants de Dieu à Satan, puisque j'ai déjà vu les effets. Faites attention, bien-aimé. Quand il y a une cause, sache que, bien-aimé, il y aura des effets dans ta vie. Laissez-moi vous conseiller, mes chers amis, les enfants de la guerre. Dans la vie, évite souvent. Ça, c'est un conseil gratuit. Retiens la date d'aujourd'hui, bien-aimé. Évite souvent qu'une personne pleure à ton nom. Évite qu'une personne pleure à ton nom. Puisque si la personne a raison, la Bible dit que Dieu est le juste juge. Quand la personne va commencer à pleurer, vous avez fait le lit que les malaris tournent. Bien-aimé, lui, il a donné sa part. Mais maintenant, c'était à lui maintenant de récupérer son argent. Non, vous ne voulez pas. Vous devenez des hommes forts, des femmes fortes. Et la personne, bien-aimée, est démunie. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va commencer à pleurer à ton nom. Vraiment, si l'argent là j'avais volé, hein, Dieu toi-même tu sais. Mais si c'est l'argent de ma sueur, Seigneur, Seigneur, que cette personne ne réussisse pas, que cette personne souffre, que cette personne... Bien aimé, je t'assure, il y aura des effets. Même si ce n'est pas immédiat, c'est comme Habacuc a dit, j'attends la promesse.
J'attends la bénédiction, même si ça tarde et ça arrivera. Sachez que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Bien-aimé, la malédiction aussi, ça arrivera. Souvenez-vous de Cana. Cana était maudit, mais bien-aimé, Cana est parti construire, bâtir une ville qui était prospère. Mais à la fin, bien-aimé, la malédiction prononcée sur Cana s'était accomplie. Faites très, très attention, mes chers amis. Faites très, très attention. Moutoile la Cana, combo na yoté. Tu détruis les mariages d'autrui. Tu voles les mariages d'autrui. Une femme souffre. Quand cette femme va commencer à libérer la parole des malédictions, cette parole-là, Dieu est le juste et juge. Même quand un sorcier, une personne qui est sorcière, bien-aimé, quand il te maudit, s'il a raison, Dieu ne va pas intervenir en ta faveur. Il est le juste et juge, bien-aimé. Si Dieu prend parti de ses enfants, alors Dieu, bien-aimé, ne sera plus juste. Dieu rend justice même aux sorciers. Donc c'est pour cela qu'Olinga Moutal et la Kanakombo na yote. Ah, qu'Olinga Moutal et la Kanakombo na yote. Hier, je vous ai raconté cette histoire, bien-aimé, qui m'a fait tellement du mal. Ce papa, bien-aimé, était frappé par son fils. Son fils l'a frappé. Le papa a saigné. Le papa a saigné. Il a crié, il a supplié son fils. Pardon, pardon. Et pourtant, c'est le fils qui demande pardon, père. Mais le père était impuissant, bien-aimé, frappé, mis à terre par son fils qui le piétinait, qui lui donnait des coups de poing, des coups de tête. Il saignait de partout, bien-aimé, ce garçon. Il a grandi. Il a grandi, il a commencé à servir Dieu. Il est devenu serviteur de Dieu, même prédicateur. Mais sa vie, bien-aimé, ne voyait pas clair. Toute sa vie ne voyait pas clair, bien-aimé. Tout ce qu'il faisait était dans les ténèbres. Un jour, nous prions et Dieu dit, son problème, c'est son père. Son problème, c'est son père. On lui demande, ton problème, c'est ton père, comment? Il dit, je ne comprends pas, donc ce papa là, il est sorcier. Ah! Bien-aimé, j'ai dit, je vais faire une démarche, je vais aller voir le papa. Je vais voir le papa, bien-aimé. J'utilise un peu la diplomatie. J'ai dit, papa, je suis venu pour ton fils. Ah, ses affaires ne marchent pas, sa vie ne marche pas. Comme papa, c'est toi qui l'as mis au monde. Peut-être tu peux avoir quelques éléments qui peuvent nous aider pour la délivrance. Parce qu'on a fait des délivrances, ça ne marche pas. Papa, j'ai vu le papa a commencé à pleurer. Bien-aimé, le papa est entré dans sa maison. Il est sorti, bien-aimé, avec une chemise blanche. Avec une chemise blanche, bien-aimé, tachée de sang, remplie de sang. Le sang, bien-aimé, puisque c'était une histoire qui a duré plus de 20 ans. Le sang, bien-aimé, a commencé à changer même de couleur. Ah! Je dis, papa, ça c'est quoi? Il dit, ça c'est ma chemise. Ce que tu vois là, c'est le sang que mon fils a fait couler. Il m'a tabassé un jour, ni t'étais le voisin, il allait me tuer. Il m'a tapé, je l'ai supplié, je l'ai supplié, je l'ai supplié. Il ne voulait pas. Il m'a cassé deux dents. Papa, tu vois les deux dents là? Les deux dents là, c'est lui qui me l'a arraché. Alors à chaque fois quand je vois la chemise, je pleure. J'ai gardé cette chemise. J'ai dit, je vais montrer à ses enfants si elles peuvent le faire à leur père. Mais moi, mon fils me l'a fait. À chaque fois que je vois cette chemise, je pleure. Je pleure. Bien-aimé, Soki Moutazo Lelanakombo Nayo. S'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a raison, puisque la Bible dit, tu ne frapperas pas ton père ni ta mère. Bien-aimé, quand on dit « tu ne frapperas pas ton père ni ta mère », moi je l'élargis, bien-aimé, toute personne qui peut être ton père, qui peut être ta mère, toute personne qui peut avoir des enfants comme toi, bien-aimé, tu dois les respecter. La Bible dit « tu t'inclineras devant les cheveux blancs ». Bien-aimé, quand tu ne respectes pas, ou tu frappes les gens, les personnes qui peuvent être tes parents, qui peuvent avoir des enfants comme toi, quand tu les insultes, bien-aimé, le monsieur va dire « ah !» Il m'insulte comme si je n'avais pas d'enfant. Ah Seigneur, bien-aimé, je t'assure, il y a une malédiction qui descend dans ta vie automatiquement. C'est pour ça dans notre verset, mes bien-aimés, on nous dit, Dieu dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays. Puisque la malédiction, bien-aimé, est liée également aux paroles. La malédiction est liée aux paroles. C'est pour cela quand on maudit une personne, bien-aimé, on parle mal. Déjà, le mot malédiction veut dire mal parler, mal et diction. Diction vient de dicter. Quand on parle de dicter, c'est la parole qu'on écrit. C'est pour cela, bien aimé, le mot malédiction, c'est un mot composé. Parler mal,
comme bénédiction qui est son contraire, veut dire parler bien. Bénédiction. Bénédiction et malédiction. Donc, bien-aimé, c'est ça. Alors, bien-aimé, ici, on dit, ça, c'est les rouleaux qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Je leur répondis. Puisque, bien-aimé, comme la malédiction consiste à mal parler, Dieu a déjà parlé. C'est pour cela qu'il a répondu, bien-aimé, son rouleau. Il a répondu la Bible. Il dit, je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre. Écoutez, bien-aimé, afin qu'elle entre. Afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure. Bien-aimé, il y a des gens, la malédiction est déjà entrée dans leur vie. Ils vivent avec la malédiction. C'est pour cela, dans tous les domaines de ta vie, tu ne vois pas clair. Tout ce que tu fais est noir. Bien-aimé, il y a eu quelqu'un qui a pleuré. Il a pleuré, bien-aimé, à ton nom. Il pleure toujours à ton nom. Surtout nous, les pasteurs bien-aimés. Vous savez, nous, les pasteurs, gagner des âmes, c'est difficile, c'est pénible, bien-aimé. Quand je gagne peut-être quelques âmes, mais toi, tu viens, bien-aimé, pour récupérer ces âmes-là, afin qu'ils quittent l'église. Je vais me mettre à pleurer. Même si vous me voyez dehors, vous me voyez dans la joie. Mais à l'intérieur, je pleure. Quand je suis dans ma chambre, je pleure. Quand je fais la prière, je pleure. Je dis, Seigneur, tout sorcier qui a envahi l'église, qui a fait sortir tes enfants de l'église, Seigneur, que cette personne, que sa vie soit noire, c'est une malédiction, bien-aimé. Et si réellement c'est toi qui as fait ça, je t'assure, bien-aimé, la malédiction va entrer chez toi et la malédiction va demeurer. Tu vas prier, tu vas chasser le feu. C'est pour cela que nous prions, nous chassons le feu, mais sans effet. Nous utilisons l'épée, mais sans effet. Bien-aimé, l'église ou la vie chrétienne, ce n'est pas une coutume. Chaque dimanche, chaque jour, quand vous vous réunissez, on envoie les feux, on envoie les feux. Mais la malédiction, bien-aimé, Dieu le permet. Quand Dieu permet, même quand ça vient de Satan, mais Dieu l'a permis puisque Satan a raison. Satan a raison. C'est pour cela, bien-aimé, nous n'avons que la repentance qui est la clé de la délivrance. Si tu as compris tout ce que j'ai dit, bien-aimé, je voudrais que tu acclames le Seigneur en donnant des cœurs, des likes, en disant bravo, bravo Jésus-Christ, bravo, bravo Jésus-Christ, bravo, bravo Jésus-Christ, bravo, bravo, bravo Jésus-Christ, bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Donne des cœurs, donne des likes, bien-aimé. Donne des cœurs, donne des likes. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand même Dieu dit, on vous mesurera à la mesure que vous avez mesuré les autres. Bien-aimé, ça peut être une bénédiction, ça peut d'un autre côté être une malédiction. Donc quand tu fais aux autres du bien, toi tu es béni. Quand tu fais aux autres du mal, toi également tu es maudit. Bien-aimé, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire, bien-aimé. Il y a eu un frère. Ce frère bien-aimé, il m'a appelé ce matin pour me raconter son histoire. Il dit, pasteur, ma voix, si je parle, les gens vont savoir. Donc, ils vont me reconnaître. Je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Ce frère m'a raconté son histoire. C'est quoi son histoire, bien-aimé? Il m'a dit, quand il était jeune, il avait violé une fille. La fille l'a supplié, mais lui ne voulait pas. Et en plus, la fille était vierge. Il a déviergé la fille par le viol. La fille était déviergée, bien-aimée. La fille était déviergée. Il y a eu du sang, la fille avait mal. Mais comme ils étaient un peu parentés, la fille ne voulait pas rapporter ça à la famille. Bien-aimée, cette histoire est passée. Ça s'est passé. C'était dans sa jeunesse. C'était dans sa jeunesse, bien-aimée. Le gars me dit, pasteur, quand j'ai grandi, j'ai commencé aussi à servir Dieu. J'ai fait des repentances, mais j'avais oublié cette histoire de viol. J'avais oublié cette histoire de viol dans ma vie. Bien-aimé, il me raconte, il dit, pasteur, j'ai servi Dieu. Je suis partenaire puisque Dieu m'a béni financièrement. Je suis partenaire à l'église. Je donne des dons à l'église.
Je suis même après les pasteurs hiérarchiquement dans l'église, c'est moi. Mais je n'ai pas compris, pasteur, un jour, pasteur, les Koulouna sont venus me rendre visite à la maison. Les Koulouna ont visité ma maison. Dieu m'a donné 5 filles. Je n'ai pas de garçons. Dieu m'a donné 5 filles. Pendant la nuit, vers 2 heures du matin, les Koulouna sont entrés dans la maison. Bien-aimés, les Koulouna voulaient coucher avec ma femme, avec mes enfants. Je les ai suppliés, j'ai sorti l'argent. J'ai dit aux Koulouna, prenez l'argent, j'avais plus de 5 000 $. J'ai dit, prenez l'argent, laissez ma femme, c'est ma femme, laissez mes enfants, il y a d'autres, la dernière avait 9 ans. Laissez mes filles, laissez ma femme, prenez l'argent, plus de 5 000 $, partez avec. Bien-aimé, le monsieur me dit, il tombe en pleurs, il dit, pasteur, tu réalises les Koulouna qui me disent que on ne veut même pas de l'argent, mais on veut coucher simplement avec toutes les femmes qui sont dans cette maison. Donc, les femmes-là, c'est sa femme et c'est ses 5 filles. Bien-aimé, devant ses yeux, bien-aimé, il voyait, il regardait impuissamment bien-aimé. Il était là, il voyait comment les Koulouna, un par un, couchaient avec sa femme, couchaient avec ses enfants, les violaient, puisque c'était des viols bien-aimés. Il violait sa femme, il violait ses 5 enfants, ses 5 filles. La dernière avait 9 ans, elle a subi le viol, elle était déviergée, il y avait le sang. Bien-aimé, fais attention. Le monsieur m'a dit, pasteur, ah, non. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te sers, je te donne tout ce que j'ai. Je marche conformément à ta parole. Pourquoi ces choses m'est arrivée? Ponini makambo et comme linga izambe. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, le monsieur a commencé à pleurer. Maintenant, actuellement, comme je parle là, il est ici en Europe, bien-aimé. Il est ici en Europe. Il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, pasteur, je voudrais te voir. Puisque le message que tu donnes sur la malédiction, ça me concerne. J'ai eu la révélation de ma vie, pasteur. Des choses qui se sont passées. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il m'a raconté l'histoire. Et il m'a dit, pasteur, j'ai compris que cette femme que j'avais violée, elle me suppliait. Je ne voulais pas l'écouter. Elle me suppliait. Mais je ne voulais pas l'écouter. Je l'ai violée. Il y avait du sang. Oh, j'ai vu ma fille cadette qui avait 9 ans. On la viole. L'autre 11 ans. L'autre 13 ans. C'était des filles vierges. Il y avait du sang. Oh, donc cette femme-là pleure à mon nom. Pasteur, je ne sais pas, il faut que je voie cette femme. Oh, ça fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle pleure à mon nom. Bien-aimé, balé la gana kombo na yote. Qu'on ne pleure pas sous ton nom, bien-aimé, du mal que tu as fait aux autres. Bien-aimé, même si ça tarde, attends-la. Même si ça tarde, tu peux dire sans effet. Tu peux dire si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, bien-aimé, la malédiction ne peut pas devenir une chose ancienne. La malédiction sans repentance, bien-aimé, ne peut pas partir. Il faut réparer, bien-aimé. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier « Pitié, Jésus, pitié !»« Jésus, aie pitié de moi !» Quelqu'un peut écrire « Jésus, aie pitié de moi !»« Aie pitié de moi, Jésus !»« Aie pitié de moi !» La malédiction m'environne, la malédiction demeure dans ma vie, tout est noir, Jésus, tout est noir. Je suis en train de récolter les fruits de la malédiction à cause de ma mauvaise vie, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier? La Bible dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend. C'est toi le malheureux, c'est toi la malheureuse. Est-ce que tu peux crier? Tu peux crier, bien-aimé, dire Jésus, pitié, pitié, Jésus. Oh, bien-aimé, ce monsieur m'a dit, pasteur, depuis le jour qu'on a violé mes enfants,
On a violé mon épouse. Ma vie n'est plus la même. J'ai maigri tous les jours. J'ai du chagrin dans mon cœur. Je ne savais pas quelle était la cause. Or, je marchais avec la malédiction. Or, je vivais avec la malédiction. C'est pour cela que le Seigneur dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le mal, attends-toi à recevoir le mal. Bien-aimé, tu ne peux pas semer les goyaves et récolter la mangue. Non. Si tu sèmes les citronniers, tu vas cueillir des citrons. Bien-aimé, il a semé les viols. Cette fille est partie pleurer. Elle pleurait. Bien-aimé, vous savez. Excusez-moi le terme, bien-aimé. Quand on devient une fille, normalement, il faut que ça soit, que la fille soit consentante. Il faut que la fille soit consentante puisque c'est la première expérience. Mais tu imagines, la fille n'est pas consentante. Tu es en train de le violer, de verser son sang. Cette femme a pleuré toute sa vie. Quand elle marche, elle regarde. Des fois même, son mari, là, si elle est mariée, son mari lui pose la question. Puis si ça arrive dans des couples, qui t'a déviergé? Bien-aimé, les souvenirs montent dans sa tête. Qui t'a déviergé? Et pourtant, peut-être, elle avait fait un vœu avec Dieu. Que Seigneur, moi, j'offrirai comme cadeau du mariage à mon époux, mon futur époux, ma virginité. Mais toi, tu lui as pris sa virginité. Bien-aimé, le monsieur pensait que les choses étaient finies. Il pensait que les choses étaient finies. On te mesurera à la mesure que tu as mesuré les autres. Tu sèmes le mal, attends-toi à la malédiction. Bien-aimé, quand je vois dans la Bible, je ne veux pas lire, mais je te raconte simplement puisque tu connais l'histoire. David a pris la femme d'autrui. David a pris la femme d'Uri. Bien-aimé, il était content. Uri est mort à cause de lui. C'était l'assassinat. David a assassiné Uri. Personne n'a su, bien-aimé, c'était un secret. Tu peux faire les choses dans les secrets. Tu fais du mal dans les secrets. Tu mets du poison à quelqu'un dans les secrets. Tu détruis les couples d'autrui dans les secrets. C'est bien. Mais sache qu'il y a les rouleaux bien-aimés qui planent. Il y a les rouleaux qui volent. La Bible dit, le ciel est son trône. Cela veut dire là où Dieu est assis, bien-aimé, sur son trône du ciel. Il te voit. Et la terre est son marchepied. David croyait que c'était un secret. Or, Dieu avait vu. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, bien-aimé? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, bien-aimé? L'inceste est entré dans la maison de David. L'inceste est entré dans la maison de David, bien-aimé. Les enfants commençaient à sortir entre eux. Amnon viole sa sœur. Amnon viole sa sœur. Absalom couche avec les femmes de David. Il y a eu des meurtres, il y a eu des choses. Bien-aimé, puisque la malédiction était entrée dans le palais royal. Les gens voyaient le palais royal de loin. Ils convoitaient le palais royal. Mais ils ne savaient pas que dans ces palais-là, il y a la malédiction qui a fait sa demeure à l'intérieur. La malédiction habitait, bien-aimé, le palais royal. C'est pour cela, dans ce palais-là, le palais royal, bien-aimé, le palais de David, des choses horribles se passaient là-bas. Les choses horribles se passaient là-bas. À cause, bien-aimé, de la malédiction, à cause de l'acte causé par David. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, sache qu'un jour, un jour arrivera. Bien-aimé, la journée d'aujourd'hui, nous consacrons notre jeûne, bien-aimé, le jeûne de la repentance. Quelqu'un écrive les jeunes de la repentance. Les jeunes de la repentance, bien-aimés. Nous allons nous repentir, bien-aimés. Regarde ton parcours. Regarde ton parcours. Regarde ton parcours. J'ai entendu une histoire, bien-aimée. Il y avait une femme. Comme elle ne parlait pas avec sa voisine. Mais sa voisine avait un enfant qui rampait. Moi, Nazaï Konguluma.
il y avait son enfant qui rampait. Bien-aimé, l'enfant était en train de jouer et la maman était, je ne sais pas, elle était allée acheter quelque chose. Elle a laissé l'enfant, l'enfant était en train de jouer, de ramper. Vous savez, bien-aimé, dans nos parcelles en Afrique et nos toilettes, vous savez comment ça y est, dans quel état. Bien-aimé, des toilettes, des WC, des coups directs. L'enfant en rampant entre dans la toilette. Puisque la toilette est dans la cour. La toilette n'a pas de porte. Bien-aimé, l'enfant en train de ramper et l'enfant va aller dans cette toilette-là. Et l'enfant va tomber, bien-aimé, dans la toilette. Vous savez, vous connaissez. Je pense que ceux qui sont en Afrique, ceux qui viennent d'Afrique le savent. Bien-aimé, il y a juste un petit trou qu'on creuse et il y a une fosse. L'enfant est entré directement dans ce trou-là et l'enfant est parti aux toilettes. La maman est arrivée. Elle commençait à chercher sa fille. Elle cherchait sa fille. Elle cherchait sa fille. Or, cette dame-là avait vu. Avait vu que l'enfant était entré dans la toilette. Comme il ne se parlait pas, elle disait rien. Or, elle pouvait empêcher même que cela puisse arriver à l'enfant. Mais elle a laissé, comme moi et sa maman, on ne s'entend pas, moi, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. L'enfant est parti dans le séjour de mort, bien-aimé. Personne n'avait vu ça. C'était seulement elle. Or, il y avait les rouleaux, bien-aimé. Il y a les rouleaux qui est au ciel. Il y a les rouleaux qui est la malédiction. Bien-aimé, la malédiction est entrée dans la vie de cette dame. Elle s'est mariée. Bien-aimé, pas d'enfant. Le Messie a dit, non, moi je vais avoir des enfants. Alors rentre chez toi, je ne veux plus de toi. On l'a chassée. Elle s'est remariée. Elle a pris un autre homme. La même chose. On l'a répudiée. Bien-aimée, juste au moins 4 mariages répudiés puisqu'elle ne conçoit plus. Jusqu'à ce que le médecin va lui déclarer, maman, toi c'est fini, tu vas mourir stérile. Aujourd'hui, bien-aimée, cette dame se rappelle de cette scène-là. Et elle pleure. Elle dit, Seigneur, pitié. Jésus, pitié. La malédiction est entrée dans ma vie. Puisque je pouvais faire le bien, je ne l'ai pas fait. La Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas. Il commet un péché. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas. Il commet un péché. Oh, bien-aimé, regarde ta vie. Nous n'avons que bien-aimé à prier. Pas n'importe quelle prière. Bien-aimé, nous devons nous coucher par terre. Chercher, bien-aimé, la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse enlever cette malédiction. Que Dieu puisse ôter cette malédiction. Que Dieu puisse ôter cette malédiction, bien-aimé. Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu pouvais faire que tu n'as pas fait? Bien-aimé, les malheurs des autres te réjouissent. En ce moment-là, bien-aimé, les rouleaux te regardent. Les rouleaux, c'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, bien-aimé, quand tu fais le bien, il te bénit. Quand tu fais le mal, il te condamne par la malédiction. Bien-aimé, beaucoup de choses à dire. La malédiction individuelle. Puisque nous avons l'habitude dans nos églises, toujours les démons, toujours les sorciers, toujours les loges. Mais nous oublions que nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Nous-mêmes, bien-aimés, même la Bible dit, on te mesurera à la mesure que tu as mesuré les autres. Comment as-tu conduit ta vie de jeune fille, ta vie de jeune garçon? Tu as fui l'Angola, tu es venu ici. Maman, tu as volé l'argent du monsieur avec qui vous viviez là-bas en Angola. Tu es venu ici en Europe. Le monsieur, il pleure. Il pleure, il te maudit. Il te maudit jour et nuit. Maman, comment peux-tu réussir? Comment peux-tu réussir? Même si tu réussis, tu vas toujours échouer. Puisque la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh, bien-aimé. Dieu dit, il ne désire pas la mort du pécheur. Ce qu'il désire est que les méchants se repentent pour qu'ils puissent vivre. Je donne rendez-vous à tous les enfants de la guerre de la source de vie. Bien-aimés, nous allons pleurer tout à l'heure de 18h à 19h30. Nous allons pleurer, bien-aimés. Combien de temps nous avons chassé les démons? Combien de temps que nous avons chassé les sorciers?
Bien-aimé, le monsieur te fait venir ici en Europe. Tu arrives dans sa maison, tu commences à le tromper avec les vieux copains. Et un jour, tu lui dis, hey, tu m'as fait venir avec combien? Dis-moi, je vais te rendre. Dis-moi, je vais te rendre. D'ailleurs, je ne veux plus de ce mariage. Tu as escroqué le monsieur. Maman, la malédiction est entrée dans ta vie. Puisque la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tu as accepté le mariage, bien-aimé, par procuration. Tu as accepté le mariage et des photos. Mais aujourd'hui, assume cela, assume, assume, bien-aimé, assume. Assume, bien-aimé. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as fait. Tu es pasteur. Ton ami pasteur, ton collègue pasteur t'invite dans son église. Viens nous aider, viens prêcher. Comme tu prêches tellement bien, tu prêches, tu séduis l'église. Après, tu commences à passer les numéros, les téléphones. Et tu récupères les âmes de ces pasteurs-là. Oh, pasteur, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu ne dois pas vivre. Tu ne dois pas bâtir ton ministère avec la sueur des autres. Tu ne dois pas bâtir ton ministère avec la sueur des autres, bien-aimés. Il y a encore beaucoup de païens dans le monde, bien-aimés. Tu peux te mettre à Château-Rouge, prêcher comme tu prêches bien et gagner des âmes. Tu ne dois pas fixer tes yeux aux âmes d'autrui. C'est une malédiction. C'est une malédiction, bien-aimés. C'est une malédiction. C'est une malédiction, bien-aimés. Notre jeune, aujourd'hui, bien-aimé, c'est toujours sur la repentance. Ne sois pas pressé. On a beaucoup de choses à dire sur la malédiction, bien-aimé. Il y a beaucoup de malédictions. Il y a la malédiction familiale, il y a la malédiction territoriale, il y a la malédiction générationnelle, il y a la malédiction des enfants. Il y en a beaucoup. Mais bien-aimé, la base d'abord, c'est la malédiction individuelle. La malédiction qui vient de toi-même, de la manière dont tu as conduit ta vie. L'apôtre Paul dit, nous sommes en train de bâtir, mais que chacun prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Nous remplissons des églises, mais si Dieu nous regarde vraiment bien-aimés, sincèrement, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes si Dieu nous regarde vraiment bien-aimés. Comme je l'ai dit, si Dieu vient aujourd'hui, puisque tu as l'habitude de chanter, tu penses que tu es saint. Or, tu n'es pas saint, bien-aimé. Tu as une malédiction sur toi. Tu as une malédiction sur toi. Tant que la malédiction est toujours sur toi, même si Jésus revient, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Bien-aimé, la mission de l'Église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de son mari. La mission de l'Église, bien-aimé, c'est de vous annoncer cela, que tu es sous la malédiction. C'est pour ça que Jésus disait, vous êtes des races de vipères. La vipère, bien-aimée, ne change pas de nature. Écoutez, bien-aimée. Oh, qui peut me l'écrire? Qui peut me l'écrire? La vipère ne change pas de nature, mais change simplement la peau. Le serpent ne fait que changer la peau, mais ne change pas sa nature. Même si sa peau est changée, mais elle reste serpent, il reste serpent. Aujourd'hui, on t'appelle pasteur et serviteur de Dieu, on t'appelle chrétien, mais tu es toujours sous la malédiction. Tu es toujours sous la malédiction, même si tu ne vas pas dans des boîtes de nuit, mais tu as un mauvais cœur, un mauvais cœur, un mauvais cœur. Bien-aimé, sache que quand Jésus reviendra, tu ne partiras pas, tu ne partiras pas, puisque Jésus a donné des critères. Il a dit il reviendra chercher son épouse qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'est-ce que tu as dans ta vie, bien-aimé? La vipère change de peau, mais ne change pas sa nature. Ou le serpent peut changer de peau, mais ne peut pas changer sa nature. Bien-aimé, quand un serpent change de peau, vous savez que le serpent change de peau. Quand il change de peau, mais il reste toujours serpent. Il reste toujours serpent, bien-aimé. Il reste toujours serpent. Or, Dieu dit, il veut que tu puisses changer, que ton cœur soit changé. Que ton cœur soit changé, que ton cœur soit changé. Dieu veut que, bien-aimé, que ton cœur soit changé. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps, il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps, il veut te sauver.
Et sauver mon ami, Jésus veut te sauver, mon ami. Ta vie est chargée de tant de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes, la réponse à tes problèmes. Ne continue plus à vivre ta vie, mais ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, ta vie est chargée de tant de problèmes. Malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que tu fais des dons, malgré que bien-aimé, tu fais des bonnes choses, mais bien-aimé, il y a toujours la malédiction. Jésus veut que tu puisses, bien-aimé, venir vers lui, que tu viennes vers lui avec un cœur sincère, que tu puisses te repentir sincèrement. Fais comme Zachée. S'il faut aller voir les gens, Zachée a dit, je vais aller voir les personnes à qui j'ai causé du tort. Je veux même payer des pénalités. Je veux me repentir. Je vais rendre tout ce que j'ai volé. Je vais rendre tout ce que j'ai volé. Je vais rendre, je vais rendre, je vais rendre. Oh, oh, il faut que quelqu'un dise, je vais réparer. Dis, je vais réparer. Que Dieu voit comment tu prends l'engagement. Prends l'engagement de réparer, bien-aimé. Si tu ne répares pas, tu seras toujours sous la malédiction. Écris à Dieu comme si tu écrivais une lettre. Jésus, je veux réparer. Jésus, je veux réparer. Jésus, je veux réparer. Oh, bien-aimé, toi, enfant, tu as frappé le mari de ta mère, puisque ce n'est pas ton père. Tu as insulté la femme de ton père. Oh, bien-aimé, tu dois les respecter. C'est ton père, c'est ta mère. Mais tu ne les as pas respectés, bien-aimés. Oh, pitié, Jésus! Pitié, Jésus! Pitié, Jésus! Même si nous allons nous faire baptiser, bien-aimés, nous nous faisons baptiser, bien-aimés, avec la malédiction. Ce n'est pas le baptême qui enlève la malédiction, laissez-moi vous le dire, bien-aimés. C'est la repentance qui enlève la malédiction. Le baptême, bien-aimés, n'enlève pas la malédiction. C'est la repentance. Oh, bien-aimé, laissez-moi vous raconter une anecdote. Ça, vraiment, excusez-moi les francophones, je vais essayer de vous les dire, les expliquer, mais ça passe vraiment bien en lingala. Une anecdote, bien-aimé. Faisons très, très attention dans nos vies, la manière dont nous sommes en train de vivre, bien-aimé. Ah, j'ai même perdu, j'ai oublié l'anecdote, bien-aimé. Peut-être je vous le dirai à 22h. Faisons très attention à la manière dont nous sommes en train de vivre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Si tu as été béni, dis à Jésus pitié simplement. Dis simplement pitié à Jésus. Je ne te demande pas encore d'acclamer Jésus. Je dis, dis simplement pitié à Jésus, pitié. Dis Jésus pitié, pitié. Fils de David, aie pitié de moi. Dis-le avec un cœur sincère. Dis-le avec un cœur sincère. C'est pour ça que Jésus nous disait hypocrite. Vous êtes des races d'hypocrites, races de vipères. Oh, bien-aimé, pitié Jésus. Pitié. Le lokout na koloba bokende ko longa te bokende ko yambola. Aujourd'hui, je dis, allez vous repentir, pas allez vaincre, mais allez vous repentir. Allez vous repentir. Ça, c'est les jeunes de la repentance. Que Dieu touche vos cœurs. Que Dieu touche vos cœurs, bien-aimés. Que Dieu touche vos cœurs. Si tu es à la maison, bien-aimé, profite. Allonge-toi par terre, bien-aimé. Commence à pleurer. Commence à pleurer. Dis un mot à Jésus. Dis-lui un mot, bien-aimé, un mot de repentance. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi.
comme cette femme cananéenne qui était sous la malédiction. Cette femme bien-aimée a supplié Jésus. Cette femme a supplié Jésus. Elle n'a pas discuté, pourquoi tu m'appelles chaîne? Non! Elle a commencé à supplier. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, papa, là où tu es. Ngongango ya ngoyo. C'est le temps de supplication. Tolonase. Commence à pleurer. La Bible dit, quand les malheureux pleurent, moi j'entends. Quand les malheureux crient, moi j'entends. Bien-aimé, c'est toi le malheureux. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu voulais. Il y a le noir dans ta vie à cause de la malédiction. Toute ta vie est noire. Tout ce que tu fais n'aboutit pas. Même dans ta famille, les gens ont réussi, mais sauf toi. Les autres sont mariés, mais sauf toi. Tu vis dans la misère. Tu vis dans la misère. Tu vis dans la souffrance. Oh, bien-aimé, supplie ton Dieu. Ngongango ya ngoyo. Ngongango ya ngoyo. Ngongango ya ngoyo. C'est le temps de la repentance. Le temps de la supplication. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Bien-aimé, ça c'est la prière de supplication. Nous supplions Dieu. Oh Jésus, pitié. Pitié Yahweh, pitié Papa, pitié Jésus. Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La malédiction demeure dans ma vie. La malédiction demeure dans mon ministère. La malédiction, Yahweh, aie pitié de moi, Yahweh. Oh, fils de David, je suis fatigué, Yahweh. Je suis fatigué même de combattre. Seigneur, j'ai combattu, mais il n'y a pas de victoire. Or, c'est à cause de la malédiction qui demeure dans ma vie. Crie, ma soeur, crie, mon frère. Crie, mon frère, crie. Il n'y a que lui. Personne d'autre ne peut te faire sortir de là. Personne d'autre ne peut te faire sortir de cette malédiction individuelle. Tu as des relations, mais ils ne t'aident pas. Mais ils aident les autres. Puisque toi, tu es sous la malédiction. Là où les gens réussissent, toi, tu ne réussis pas. Tu es sous la malédiction. Oh, bien-aimé, comment as-tu marché? Comment as-tu mené ta vie? Tu as mangé l'argent de quelqu'un. Tu l'as appelé Moshina. Mais ce monsieur aujourd'hui pleure son argent. Il dit, si cette femme-là avait bouffé mon argent, qu'elle se marie, on va voir. Maman, tu es sous la malédiction, tu es sous la malédiction. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir de là. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Tu as calomnié. Tu as parlé contre quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Bien-aimé, cette personne pleure aujourd'hui. Surtout nous les hommes de Dieu. Bien-aimé, on s'époumonne pour vous. Mais un jour, tu vas me quitter pour aller raconter la fausseté sur moi. L'œil de Dieu voit tout. Dieu est juste, Dieu est juste, Dieu est juste. Je dis Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste. C'est pour cela, pleure, pleure pour tes péchés. Pleure, bien-aimé, puisque la malédiction est entrée dans ta maison. La malédiction est entrée dans ta vie. Voilà, mes bien-aimés. Tu peux te rasseoir là où tu es. Tu acclames le Seigneur très, très fort. Acclame Jésus très, très fort. Acclame Yahweh très, très fort. Acclame, acclame, acclame. Donne-lui une grande offrande d'acclamation. Dis-lui merci, Jésus. Merci, merci pour la parole. Merci pour la révélation. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Écris merci Jésus, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Yahweh. Rabba Santa Yababa. Rika Yabba Santa. Bien aimé, je voudrais que nous puissions élever la voix. Je vois une requête. Il y a notre frère Jidikaël qui nous écrit. Il dit, je suis un évangéliste et paralysé. Aidez-moi s'il vous plaît. Je répète, il y a un message, un frère a donné une requête.
il s'appelle Jidikael, il a dit, je suis un évangéliste paralysé. Il dit, aidez-moi s'il vous plaît. Nous ne pouvons que aider, bien-aimé, par la prière. Là où tu es dans ta maison, élève ta main droite, bien-aimé. Soulève ta main droite. Dis, Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver. Que ta main aille toucher les corps de notre frère, évangéliste Jidikael, là où il est, afin que tu puisses le faire sortir de là. Tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, relève-les, pour qu'ils puissent te servir. Mais, bien-aimé, prie pour les autres également. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Alors, bien-aimé, nous élevons nos voix, nous prions pour le frère évangéliste Jidikael, qui est paralysé, que Dieu, bien-aimé, le restaure au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, j'élève ma main qui symbolise la tienne. Et la Bible dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Laisse que, Seigneur, ta main aille là où se trouve notre frère, l'évangéliste Jidikael. Que tu puisses le toucher et le guérir, le restaurer, afin que le monde sache que le Dieu vivant est toujours vivant. Il est l'Éternel des armées. Rien n'est impossible à toi, Père. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Agis dans la vie de notre frère. Qu'il soit restauré. Que ce qui est mort soit réparé. Puisque tu es un Dieu, le réparateur de brèches. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oui, cher évangéliste, je ne sais pas, peut-être tu peux aussi te trouver dans ces cas. Peut-être, puisque la Bible dit que les malheurs ne sortent pas de la poussière. Les malheurs peuvent venir aussi de la malédiction. Donc, bien-aimé, si c'est ton cas, appelle-moi. Mon numéro est là sur la fiche qui est devant toi. Tu vas prendre mon numéro et tu vas m'appeler. On va essayer de voir. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Tu es serviteur de Dieu, je le suis aussi. Nous pouvons nous entraider et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse bien. Ah, les frères, ils disent, ça fait 3 semaines seulement. Bien-aimé, si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, porte cette requête, bien-aimé, à cœur. Porte cette requête à cœur, bien-aimé, dans tes prières personnelles. Prie aussi pour notre frère évangéliste Jidikael. Dieu a encore besoin de lui. Dieu a encore besoin de lui. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc que Dieu les restaure pour les réutiliser dans son champ. Voilà. Acclamons Jésus-Christ bien-aimé. Acclamons Jésus. Acclamons le roi du ciel. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons Elohim. Acclamons El Shaddai. Acclamons Jéhovah. Acclamons le très très fort. Donnons des cœurs, donnons des likes, donnons beaucoup de cœurs, donnons beaucoup de likes. Jésus-Christ gagne toujours, frère Jédicaël. Jésus-Christ gagne toujours. Il est un Dieu qui n'a jamais échoué. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse, Gloire Dolly. Que Dieu te bénisse, Aurélie Tanga, Linda Dito, Mireille Kawanda. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jefté, que Dieu te bénisse. Évangéliste Tétensibou, que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Nous continuons notre jeûne, bien-aimé, que nous allons ouvrir à 16h. À 16h, donc de 16h à 16h15, c'est juste 15 minutes. 16h à 16h15, bien-aimé, nous arrêtons notre jeûne. Bien-aimé, notre jeûne, le sujet du jeûne, c'est la repentance qui est la clé de la délivrance. Nous cherchons l'Éternel, bien-aimé, qui puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. C'est pour cela, bien-aimé, nous jeûnons. Pour la repentance, nous gênons pour la repentance. Jusqu'à la nuit, bien-aimés, nous continuerons à gêner pour la repentance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Rendez-vous à 18h pour ceux qui sont dans la région parisienne. Notre adresse, c'est 18 rue de l'Avenir. 18 rue de l'Avenir. 18 rue de l'Avenir. 93 800. 18 rue de l'Avenir. 93 800. Épinay-sur-Seine. Rue de l'Avenir, numéro 18, 93 800, Épinay-sur-Seine. Si tu vas prendre les transports à partir de la gare du Nord, tu prends les TH. Tu prends les TH, tu descends à la gare d'Épinay-Viltanaise. La gare d'Épinay-Viltanaise, c'est la gare qui vient après la gare de Saint-Denis. Quand tu vas descendre à la gare d'Épinay-Viltanaise, tu sors, en face de toi, tu verras McDo, mais toi, tu vas contourner la gare. La rue de l'Avenir, c'est la rue juste qui est derrière la gare. Donc l'église est derrière la gare. Tu prends la rue de l'Avenir,
tu vas jusqu'au numéro 18. Quand tu vas arriver au numéro 18, bien-aimé, l'église est en face du portail. Mais le portail, bien-aimé, a un code qui est 1998. Écris-le 1998. Ça, c'est le code pour que le portail puisse s'ouvrir. 1998 ou 1998. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Diacre José Lungela. Il nous a écrit l'adresse, bien-aimé. L'adresse est là, bien mentionnée, et le code. Voilà, bien-aimé, nous vous attendons de 18h à 19h30. Dans des moments pareils, bien-aimé, tu dois sentir ta misère. Tu dois dire, il faut que je sorte de cette situation. Tu dois chercher l'Éternel, Nzambe Baluka Kayi. Tu dois chercher l'Éternel, bien-aimé, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimé, tu dois dire, moi je vais aller là-bas. Puisque la Bible dit, il est bien entre les bien-aimés de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse les bénédictions. Donc ne manque pas, au lieu de rester à la maison, non. Ne fais pas des jeûnes et des grèves et des faims. Mais bien-aimé, viens jeûner et prier avec nous. Quand nous allons prier ensemble, je sais que Dieu fera encore grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Bokende Kolongae. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien le bien votre serviteur, le pasteur Miko Machika. Donc si je suis là, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle, bien-aimés. Nous commençons un grand séminaire de 15 jours avec jeûne et prière où nous allons parler de la délivrance des malédictions. Je dis bien des malédictions au pluriel puisqu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Donc ne manquez pas, il y aura les malédictions dans le mariage, il y aura les malédictions des enfants, il y aura des malédictions individuelles, il y aura des malédictions familiales. Il y en a tellement. Il y a même des malédictions territoriales. Donc je voudrais que vous ne manquez pas, bien-aimés, pendant ces 15 jours de jeûne et prière. Vous savez, la Bible dit que, là c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit, il y a des démons qui ne sortent que par les jeûnes et prières. C'est pour cela, je sais que c'est les vacances, mais bien-aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et le royaume des cieux est forcé. Les bénédictions sont forcées, bien-aimé. Délivrance balouka kayango. C'est pour cela, je vous invite, bien-aimé, tous les jours, de lundi à vendredi, nous serons sur Facebook, Miko Machika TV. Sur Facebook, Miko Machika TV, bon, on sera à 6h du matin. On sera à 12h, on sera à 16h pour l'ouverture des jeunes et à 22h pour les enseignements. Donc ne manquez pas, vous allez délai. Attendez si vous avez des vacances, que vous avez des vacances, et vous allez pas vous pour la tienne. Nous avons le peuple qui a été fait pour que vous avez alors, mettant que vous avez solo solo que vous avez la bino. Donc vous avez des vacances, vous avez des bino, vous avez des bino, vous avez des familles na bino. L'église, nous allons tous les mardis, na jeudi, de 18h à 19h30. Mais le reste des journées, bien-aimés, programme de Nalobi, 6h, 12h, 16h et puis 22h. Zamba Pambolabino, bien-aimés, à Pambolabino, Bolonga, Bolonga, Bolonga. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien le bien votre serviteur, le pasteur Miko Machika. Donc si je suis là, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle, bien-aimés. Nous commençons un grand séminaire de 15 jours avec jeûne et prière où nous allons parler de la délivrance des malédictions. Je dis bien des malédictions au pluriel puisqu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Donc ne manquez pas, il y aura les malédictions dans le mariage, il y aura les malédictions des enfants, il y aura des malédictions individuelles, il y aura des malédictions familiales. Il y en a tellement. Il y a même des malédictions territoriales. Donc je voudrais que vous ne manquez pas, bien-aimés, pendant ces 15 jours de jeûne et prière. Vous savez, la Bible dit que, là c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit, il y a des démons qui ne sortent que par les jeûnes et prières. C'est pour cela, je sais que c'est les vacances, mais bien-aimé, la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu.
et le reste vous sera donné par-dessus. Et le royaume des cieux est forcé. Les bénédictions sont forcées, bien-aimés. Délivrance Baluka Kayango. C'est pour cela que je vous invite, bien-aimés, tous les jours, de lundi à vendredi, nous serons sur Facebook Mikobachika TV. Sur Facebook Mikobachika TV, donc on sera à 6h du matin, on sera à 12h, on sera à 16h pour l'ouverture des jeunes et à 22h pour les enseignements. Donc ne manquez pas, vous allez délai. Attendre si vous avez des vacances, que vous avez l'anda biso, et vous pas mouli pour la tienne. Nous avons le peuple n'a pas eu pour la cousine à Boyebi. Alors, mais tant que vous voyez, solo, solo, que vous avez la bino. Donc, vous avez la tête, vous avez la belle, na bandeko na bino, na mabota na bino, na ba famille na bino. L'église, nous allons tous les mardis, na jeudi, de 18h à 19h30. Mais le reste des journées, bien aimé, programme de la lobby 6h, 12h, 16h et puis 22h. Zamba Pambola Bino, bien aimé, à Pambola Bino, Bolonga, Bolonga, Bolonga. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien le bien votre serviteur, le pasteur Mikobachika. Donc si je suis là, c'est pour vous.